Et salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, je ne suis pas habillée pareil que d'habitude, tout simplement parce que cette année j'ai pas fait de vidéo Halloween parce que il n'y avait pas de tag qui m'intéressait plus que ça, ou j'avais pas d'idée ou sinon voilà, et je n'ai pas participé de challenge comme Halloctober ou quoi, et donc et je ne lis pas des livres qui font peur, donc je pouvais pas faire une chronique sur ça, sachant qu'en plus j'ai dû lire un livre tellement ennuyeux pour l'école que je vais vous présenter là. Mais bon, c'est le book haul, mais on est le 2 aujourd'hui je crois, ou le 3, je crois qu'on est le 2, et on est le 2, donc autant en profiter. Voilà. Alors je m'excuse déjà parce que vous n'avez pas eu de vidéo pendant une semaine et demie à peu près. J'étais chez mon père et donc je ne pouvais pas filmer, j'avais pas de vidéo en réserve. Voilà, déjà premier point. Et deuxième point, je voudrais vous poser des questions, comme j'ai posé sur la page Facebook et personne ne m'a répondu. Voilà, je suis allée à... Alors j'avais prévu de vous faire un vlog pour... quand je suis allée à Monaco, et un autre pour Arles, et après je suis allée à Marineland aussi, voilà. Et donc je me suis dit, je sais pas si ça vous intéresserait vraiment en fait d'avoir un vlog sur Monaco, Arles ou Marineland, donc voilà, donc je vous demande de dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas, ça m'aiderait énormément, voilà, merci. Alors on va commencer de suite, c'est donc le book haul du mois d'octobre, au mois d'Halloween, voilà, et on va commencer de suite. Alors le premier livre que je vais vous présenter est un livre pour l'école, je tiens à préciser. Donc c'est Charlotte de David Fokinos, donc c'est publié aux éditions Folio. J'ai dû lire ce livre pour l'école, vous vous doutez bien. Comment vous dire que déjà la première phrase vous met dans l'ambiance, vu que c'est « Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe ». Ce livre, sincèrement, je ne vous le recommande pas du tout, à part si vous aimez la peintre. Si vous aimez la peintre en question, Charlotte, voilà, c'est Charlotte Salomon. Moi, personnellement, non, je la connaissais pas. L'histoire, je ne l'ai pas aimée. C'est beaucoup trop morbide. Donc, je vous ferai un prochain point lecture dessus, donc ne vous inquiétez pas, vous saurez. Alors, après, j'ai acheté, donc, de plein pot, neuf aussi, comme Charlotte. Les Héros d'Olympe, le tome 3, la marque d'Athéna, il est lu, il est fini. Donc j'ai oublié de dire en plus qui leur l'auteur et tout, mais c'est pas grave. Donc bien sûr c'est Rick Riordan et c'est aux publications aux éditions Le Livre de Poche. Aux publications Le Livre de Poche. Aux éditions Le Livre de Poche, déjà regardez ce magnifique livre, magnifique ouvrage. De la couverture, c'est un assez gros pavé, vous vous doutez bien vu la taille. Le livre, donc c'est la suite de Percy Jackson, c'est la suite des Héros de l'Olympe, et donc c'est la suite de Percy Jackson. Donc vous allez retrouver en fait tous les personnages qu'on aime. Enfin non, pas tous, parce que par exemple, moi il y en a certains, comme les frères à la tire, que j'aurais bien voulu retrouver mais qu'on n'a pas retrouvé. Mais vraiment, ce livre est super, si vous n'avez pas commencé ni Percy Jackson ni les Héros d'Olympe, lancez-vous-y. Alors après, l'immanquable pour tout fan d'Harry Potter, je pense un peu, même si moi personnellement je ne l'aurais pas acheté là de suite. J'ai eu un cadeau de la part de mon père d'un livre, et vous vous doutez bien c'est quoi, c'est Harry Potter and the Cursed Child en français. Donc c'est Harry Potter et l'enfant maudit, voilà, tout simplement. Donc de John Tiffany et Jack Thorne, donc c'est d'après l'histoire de J.K. Rowling, et c'est publié chez Gallimard je crois. Ce livre, sincèrement, il est magnifique, même si la version anglaise est en hardback et que lui non, et que je trouve ça dégueulasse pour un livre quand même qui coûte 21 €, c'est ça, ouais, 21 € le livre. Ils auraient pu nous faire un hardback. Voilà. Bon, c'est un grand format et voilà, comme j'ai dit, sincèrement, s'il était en petit format et beaucoup moins cher, je me serais jetée dessus. Directement dessus. Là, si je l'ai, c'est parce que mon père me l'a acheté.
Et je le lis, et je me lance trop de le lire, mais je veux avoir fini la fanfiction que je lis sur la Next Generation, parce que sinon je sais que je vais m'emmêler les pinceaux entre les deux. Donc mon grand-père m'a amené dans un endroit où il y avait des livres d'occasion, c'était une vente aux livres, une foire aux livres, enfin voilà. Et il y avait une offre, donc c'était 1 € le livre, et pour 4 livres achetés, le cinquième était gratuit. Voilà. Donc, il y a un tout petit peu craqué, tout petit peu. Je vais vous les présenter maintenant. Donc j'ai pris Dracula de Bram Stoker, donc c'est publié chez Flammarion Classique je crois, ou les petites classiques, un truc comme ça, Flammarion en tout cas je crois. Vous voyez que voilà, il y a le nom du gars, il faut que j'arrive à le faire partir, surtout que j'ai une fille. Derrière, le comte Dracula, je n'ai jamais lu d'histoire avec, mais ça m'a toujours beaucoup... inspiré, mais ouais, un peu. Voilà, surtout qu'en plus j'ai revu l'Hôtel Transylvanie hier, donc voilà. Alors, après, j'ai pris les tomes. C'est les tomes combien et combien? 5 et 6, je crois. D'Ulysse Moore, donc c'est Les Gardiens des Pierres, Les Gardiens de Pierre et La Première Clé. Alors, je sais pas si vous le savez, mais j'ai lu. Les premiers tomes d'Ulysse Moore, je sais pas où je m'en suis arrêtée. Si c'était au tome 3 ou au tome 4 en fait. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le tome 5 et le tome 6, je les ai achetés. Même si... Alors après, ça en fait c'est ma petite soeur qui l'avait pris, mais j'ai pas compris pourquoi, hein. C'est juste parce que le livre était petit. C'est donc Les Chats et Belles d'Anna Gavalda. Donc si je l'ai pris ce livre, donc c'est publié à J'ignore la maison d'édition. Ah, c'est publié aux éditions France Loisirs. Si j'ai pris ce livre, c'est parce que déjà je trouve que la couverture est assez cool. Puis après, je n'ai pas envie de lire le résumé particulièrement. C'est juste qu'on a entendu beaucoup de bien d'Anna Gavalda pour les personnes qui regardent des vidéos, des blogs et tout. Je pense que vous en avez entendu. Et je me suis dit un petit livre, pourquoi pas tenter avec elle. Alors après, c'est quoi ça? Ah oui, c'est Men in Black. Le roman il est de Steve Perry, mais c'est d'après l'histoire de Ed Solomon, donc c'est Pocket. Je n'ai jamais vu le film Men in Black dont est inspiré le roman, mais en fait ma petite soeur a dansé dessus. D'ailleurs elle m'a fait une crise de jalousie quand j'ai pris Men in Black pour moi, alors qu'elle, elle pouvait pas l'avoir. Donc voilà, j'avais envie de le lire, de le découvrir. Après j'ai pris Uglies, donc c'est de Scott Westerfeld. Voilà. Donc publié chez Pocket Jeunesse, donc là il est en poche. Je sais que ce livre a eu des critiques très très mitigées. Certaines personnes ne l'ont pas du tout aimé, d'autres l'ont aimé. Mais bon, 1 € le livre. Mais on peut dire que c'est le livre que j'ai eu cadeau quand j'en ai acheté 4, donc ça va. C'est une dystopie je crois. J'ai pas envie vraiment d'en savoir plus. Je ne veux pas lire le résumé parce que la plupart du temps, les dystopies, tu lis le résumé, ils te spoilent un truc qui se passe genre à la page 50 ou 60. Mais je crois que c'est pas un truc avec la beauté ou un truc comme ça, je crois, Glisse. J'ai pris un livre qui va bien aller là dans la période qu'on va commencer. Bon, même si je suis déguisée en sorcière, on se fout. C'est Sauver Noël, donc de Romain Sardou. Donc j'ai aucune idée où c'est publié, hein. Vous doutez bien vu comme c'est moi. C'est France Loisirs. Juste voilà la couverture avec de la neige, des sapins, un cerf. Donc voilà, ça te fait penser au Père Noël de suite. En plus, il y a des petits lutins, tout ça sur la couverture. J'en sais pas plus, j'ai pas vraiment envie de savoir. J'espère le lire en période de Noël. Voilà. Et donc, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, donc c'est Les Chevaliers d'Emeraude. Donc, ça, c'est le tome 1, Le Feu dans le Ciel de Anne Robillard, donc chez Michel Lafon. Et le tome 5, L'île des Lézards, en fait, donc toujours de la même auteure, toujours à la même maison d'édition. Si vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle a acheté le tome 1 et le tome 5, c'est parce qu'ils les vendent ensemble et que c'est bon, 1 €, voilà, je pourrais me les trouver les autres. Genre, je sais qu'à Cache Express ils y sont ou quoi, ou même en petit format, si ça me plaît, c'est pas grave. Voilà. J'espère qu'il vous a plu quand même. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, ciao.